Donc j'ai préparé ici des cartes VAC, ouais. Au cas où, j'ai mon log de nav qui est là. C'est Hôtel Papa en début de vent arrière, main droite 0,5 dur. Ouais, comme ça si tu veux jeter un œil. Ouais. Fox Juliette, Roméo Echo Novembre, au parking, on roule au point d'attente Alpha. Alors le banin est actif. Oh, un peu plus à droite. Voilà. Alors, t'avais prévu quelle altitude, 3000? Ouais, 3000, ouais. Merde, j'ai oublié de prendre un top. On va dire, ça fait quoi? 2-3 minutes? Une minute ou deux, ouais, je sais pas. Donc, 17, 27, 25. On devrait être à 25, je pense, au-dessus de Barwal. À Barwal, il y a un petit étang au milieu de la ville. Et elle est traversée par le... chemin de fer. Ouais. La help aussi, mais je sais pas si on la verra bien d'ici. L'île info de Fox, Juliette Roméo et Echo Novembre, bonjour. Juliette Roméo et Echo Novembre, bonjour. L'île info, un ULM, deux personnes à bord en provenance de Maubeuge et à destination de Saint-Quentin, actuellement à 2700 pieds, je n'ai pas de transpondeur à bord. Echo Novembre reçu, le QNF 1020, on vous êtes au départ de Maubeuge? Affirme départ de Maubeuge et QNH 1020, Echo Novembre. C'est qu'au novembre, rappelez-moi pour quitter sur 50 ans. J'ai reçu, je reçois, je rappelle à l'approche de 50 ans, qu'au novembre. Alors, deux contigromains. Oui. Tout s'est bien passé, la parade. Hein. Donc, la première fois, tu as bien dit Lille. La deuxième fois, tu n'as pas dit Lille. Tu écouteras dans le truc. Ouais. Hein, tu ne t'es pas dit Lille dès qu'au novembre. Donc, okay. À la limite, ça aurait pu être un autre qui répondait à ta place. Ouais. Et donc, quelqu'un d'autre aurait pu prendre. Prends ta place, elle croit que c'est toi et puis ça fout le bordel. Donc n'hésite pas de répéter qui répond. J'ai l'info, faut que c'est Juliette, bonjour. Juliette, bonjour, j'ai vos éléments de QNH 1020, j'appelle pour quitter. Ah, c'est que Juliette reçu. Donc tu vois, il confirme chaque fois que c'est bien et que Juliette qui parle. Et alors, est-ce que tu veux bien me mettre la carte dans le sens du tracé? Attends, bien le sens du tracé. Ouais, ouais, comme ça. Moi, ça réduit généralement au plus court, au plus petit. Ça n'a rien à voir plus grand. Alors, forêt de Mormal, elle est là. Et donc, j'ai une grande ville qui borde la forêt de Mormal, qui est Aulnois-Mérine. On l'a déjà passé. On l'a déjà passé, donc on est... Et donc, on ne doit pas être très loin. Ici, le long de la forêt, qu'est-ce que tu as? Un chemin de fer. Oui, le long de la forêt, on le voit, le ouais, chemin de fer ouais, ici. Ouais, ouais. Et Barwal, alors, il doit être ici, quelque part. Mais il est traversé par la Help. La rivière, d'après ce que je me souviens. Voilà, là je pense qu'on arrive vertical de Barwal. Je pense que tu as raison. Il y a le cours d'eau qui traverse. Exactement. Voilà, et donc je vais prendre un top maintenant. Sinon là, 14h24, hein, 25. Ouais, ouais, voilà, bah, c'est pile, hein, j'avais dit 25, 27. 25, voilà. Et donc Barwal, maintenant dans 12 minutes, on doit être à Frénois. Et donc normalement, tu mets l'heure réelle 25. Ouais. Parce qu'après tu vas oublier le jour où tu... 5, voilà. Ah, 25, c'est Barwal, ouais. Et donc le quai noir, l'estimé... Fais-moi, on peut plus 12 minutes, 37. 37, tu marques 37. Alors, ok. Ça, c'est... Monsieur Juliette Hôtel, le QNH toujours 1020, rappelez pour quitter. Comme ça, t'as plus à réfléchir, à calculer, tu regardes juste tes chiffres. Alors, ce que j'ai repéré, c'est une route qui part, avec des hangars qui... colle à la route et je pense à 90% qu'il est là-bas le terrain. D'accord. Les hangars là qu'on voit sur le bord de la route là tu vois. D'accord. Alors soit c'est ça, soit c'est pas ça. Je sais pas. Donc j'ai envie d'aller voir ça. On va aller voir ça alors. Si ça te dit. Ça te dit, moi. Je garde une altitude de sécurité, bon je pense que je vais rester autour de 2000 pieds. D'accord. Comme ça si c'est pas ça, bah, j'ai un peu de marge pour de piste, on a vu qu'il était à 1000 pieds, donc en étant à 2000, bah, je suis encore 500 pieds au-dessus de la sécurité du tour de piste, donc normalement on est bien. Le long du trait de côte, au nord de vos installations, on dirait qu'on a des tonnes à 2000 pieds. Ok.
radio dégueulasse. C'est gay ça, hein? Ouais. Alors bienvenue sur 123-500. Qu'est-ce que c'est pour une radio? Et on va essayer de poser la machine à 140. Voilà, à peu près. Ah, c'est plus facile là, ça se calme un peu. Voilà.